C'était YML, Daro Pichou. Voilà, t'as vu, on est en direct de Champs-sur-Marne. 67420. Et là, on est avec les vrais. J'suis venu fumer 2-3 bars. Ah, c'est comme ça partout, gros, tu connais. Et vas-y, on va s'en sortir, frérot. Ouais, tu l'as reconnu, va tout simple. C'est quoi le rap, moi je veux te dire, moi. T'as la voix, t'as le truc à l'intérieur, t'y vas avec un bon flash, tu vois ce que je veux dire. T'as de quoi fumer, tu fais quelques rimes, boum, t'es inspiré, ça passe. Dans la voiture enfermée, on écrit une putain de dinguerie. Et vas-y gros, tout ce qui me passe par la tête, ça finit sur le téléphone. Hein. Au début, t'as vu, on allait carrément en train dans un vieux studio là-bas, là, t'as vu, loin dans le 7-7. C'était la galère. T'as vu, le succès, il commence à arriver un petit peu. Nous, t'as vu, nous, on voit pas le changement. Yes, bébé. Travailler seul, que ce soit pour chercher des accords particuliers, que ce soit pour chercher des sons particuliers. En gros, la composition en elle-même, trouver une grille d'accords, trouver une mélodie, c'est rapide. Après, ça va être tout ce qui est du domaine de l'arrangement, de le faire sonner pour vraiment avoir une teinte particulière. Je suis parti habiter à New York pendant à peu près un an. J'ai rencontré J. Cole là-bas, je fréquentais beaucoup son cercle, donc j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la production, au niveau du business. Et donc là, j'ai récemment signé avec QLF. Un jour, j'étais au studio avec Izzy et Shabs. On l'a vu. J'ai kiffé ce qu'il faisait. J'ai dit, il faut que je taffe avec lui. J'écris des textes, je suis pas dessinateur. Auteur, tu m'as trop chaud pour mes dessinataires. Tu m'as trop chaud, c'est bien moi, évidemment. Je vois la police everyday, j'ai plus trop envie d'amour. S'il est fou, c'est la street. Et j'ai beaucoup d'énergie, quoi. C'est la jungle. Tu sais que les bolos sont abonnés. Je suis la purple. J'ai passé tout mon temps au check la jeunesse. Scène numéro 1, deuxième c'est dernier. J'ai fait Vatos et là on est en train de bosser sur l'album avec lui. Là faut que je rentabilise, là faut que je rentabilise. C'est bon, c'est bon. En vrai, c'est quoi? T'as vu, vers le milieu, faut rajouter juste un petit, une sorte de pont, tu vois, un genre de pont. Ouais, au niveau de la prod, là, on a eu, vu qu'on l'a plus travaillé ensemble, tu vois, on a eu le luxe d'avoir quelque chose qui est vraiment, vraiment sur mesure. Un morceau, en fait, qui évolue du début à la fin. Comme ça, je me démarre bien, ça pète. Et là? Là, t'as capté. Là, t'as capté, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a beaucoup d'âme dans sa manière de rapper. Quand il y a quelqu'un qui fait un gros boom avec un style, tu vois un petit peu tous les autres MC s'engouffrer dedans. Ce qui m'a frappé en premier, on va dire que c'est le fait qu'il ressemble à personne. J'éteins la lumière, je vais leur faire un trou des gueules. Mes vatos font du sale sur la Yamaha. DRO, PKNT, j'ai un meilleur ami. Je vais te faire toi être ton meilleur ami. Et puis je verrai qui fait le meilleur adieu. C'est moi, c'est 63 du rap ne jeu. Ouais, j'étais qui mal le gueux. Cet hiver il va neiger, mais tu m'as il va faire péter le. Un peu d'alcool, beaucoup moins de charité, c'est la guerre.
Ouais, remets, vite fait. Sima, elle est vachement à l'écoute, donc ça fait vraiment un échange. C'est moi le C63 du rap, le jeu. Ouais, c'est qui m'a le gueux. Peut-être si il va neiger, mais dis-moi, il va tomber dans le nœud.